up wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Salut à toi, routier passionné. Tu remarqueras la chauve-souris qui m'a vomi en plein milieu de l'écran. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Excusez-moi les gens. Bon, on démarre 3008 là, qui me double. Tu m'excuseras, j'ai pris une pastille et j'ai mal à la gorge à force de traîner dehors. Voilà ce qui arrive. Bon, ben là, salut Alain, coucou les amis. Bon, tu vois, il m'a doublé, voilà, il m'a pas doublé à 200 à l'heure. Et là, je sens qu'il va m'en faire une. On arrive, pour ceux qui connaissent, croisement en route de Ségur. Là, je suis en direction de Pont de Salard. N'importe quoi. Et là, je le vois, il freine. Là, j'ai l'anti-collision. Voilà, pourquoi tu t'arrêtes là? Ils ont fait exprès là de faire une voie qui te permet de partir et de te jeter. Voilà, tu vois, encore une fois, je vais être devant le camion et après, je t'en... Bon, là, la Audi, pas le temps, l'autre, brrra. Dégage, hein. C'est 6h du mat', après, avec ces putains de changements d'horaire. On est en heure d'hiver, donc forcément, il fait nuit noire. J'ai peur. Non, je rigole. J'ai peur de tous ces tarés. Bon, du coup, pour le coup, l'autre, il a plus osé doubler. Il est resté un moment derrière la semi. Caché dans le noir, veilleuse allumée, prêt à déboîter. Mais jamais, au grand jamais, il n'osera se relancer. Ouais, faudrait que je meuble un peu, j'ai raté le montage. Hein, Zazou. Bon, quand il y a des trucs bien, je les montre aussi. J'arrive sur Port-la-Nouvelle, la rouge, là, il arrive de Perpignan. Regarde-moi cette insertion, mais là, c'est un 10 sur 10, le mec. Je me lance, j'atteins la vitesse optimale, clignotant, tic-tac, il en a mis un coup. Il s'insère. Franchement, j'en avais les larmes aux yeux. C'est bizarre de dire ça, mais t'es tellement choqué que les gens fassent, entre guillemets, normalement, même si c'est très bien. Mais c'est ça que tout le monde devrait faire. C'est magnifique. Merci. Si se reconnaît, envoie-moi des bisous, je les prends. Là, on est dans ces bazar. Tu vois la BM, je pensais qu'il voulait se garer. Là, sans clignot, sans feu de recul, j'y vais faire une manœuvre. J'étais un peu loin, là. Et puis là, il s'est fait piquer. Avec le cache-cas, il en s'est regardé. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je sais pas. Ça monte un peu, là. On est dans ces bazans. Ceux qui connaissent, ça grimpète un peu. Bon, là, il y a un feu. Il tourne au feu. Mais Jim, il est complètement cramé. Et si tu regardes bien, zioup là, il s'est jeté sur la première place. Mais c'est des malades, hein. Je t'ai dit, ils sont pas tous enfermés. Hein. Là, je les vois de loin. Mon expérience dira, il va te la faire. Il l'a fait. Donc là, t'arrives lancé, le 4x4, je sais pas pourquoi il est là. Eux, je présume que, tu sais, on dirait des mecs style la DIR, tout ça. Donc bon, ça roule pavillon ouvert avec des caissettes derrière. Pas de signalisation particulière, tu vois, s'il a un gyro orange, de la rubalise sur le cul de la bagnole. Je sais pas trop ce que c'est comme... Je sais pas. Et puis, ben forcément, tu te dis, va se passer quelque chose, parce qu'ils vont pas traverser le département comme ça. Là, on commence à se lancer, tu vois, un petit 70-80, je sais plus ce qu'il dit le panneau, mais ça clignote, là. Puis toujours, tu vois, dans ce truc, mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi tu me sors sous le nez pour faire ça? Donc là, il me met le clignot. Tu comprends qu'il va sortir où il y a le passage à niveau, là, à 50 mètres à gauche. Hein. Mais pourquoi? Donc là, l'autre, il sort la main, là. Je pense qu'il avait peur que ça tombe. Ils sont 2-3 dedans. Bon, après, on saura jamais ce qu'ils trafiquaient avec leurs étagères. Mais ça reste quand même... Dingo. Bon, une C3 peut en cacher une autre.
Là, je traverse la Bastille de Rouérou. L'autre me sort sous le nez à la boulangerie. Enfin, je te vois venir, toi, petit hater, petit rageux. T'as vu, j'ai dit rageux, l'accent américain, comme hater. Voilà. Tout ça, donc là, c'est 50. Je suis à 50. Et là, ça te met le clignot. Mais pourquoi ? Donc oui, je sais, je colle, je pousse, oui, c'est tout à fait volontaire. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu sors devant le camion pour t'arrêter et l'arrêter juste après ? C'est quand même dingo. Là où il y avait mon copain, on est arrêté au feu. Donc il y en a un qui n'a pas le temps. Qui nique les signalisations, qui nique la priorité, qui bouffe le zébra. Bon, à droite, c'est les pompiers, c'est pas les gendarmes. Donc évidemment, il ne lui arrivera rien. Le délinquant de la route s'en échappera sans aucun dommage. Je vais postuler à W9 enquête, ça me dit quelque chose. Bon, un grand classique. J'arrive sur lui. C'est 110, tu vois, le range, il est parti. Lui, je le double. Ça passe, hein. Et puis là, Jean-Pierre, il se rend compte que... oh putain, un camion qui me double ? Oh putain, on va devoir réguler, quoi. Hey. Immatriculé 31, s'il te plaît, il vient me casser les pieds là dans l'héros. Et là, il accélère, donc forcément. Et puis, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là ? Petit break check. Les warnings, coup de stop et tout. Donc, sa femme, j'ai vu qu'elle lui a mis une calbotte là, en mode mais t'es quoi, Jean-Pierre hein ? Arrête de la merder, le monsieur du camion, il travaille. C'est pas possible, tu peux pas te l'empêcher. Tu m'auras cassé les couilles pendant 45 ans. Hein ? Voilà. Voilà, regarde-le, il est content. Hein. Là, je me suis dit, il va piler, il va me... Mais bon, je pense qu'il a même pas compris que le camion à sa droite allait rentrer là où il roule. Donc là, c'est pareil. Oui, je joue les trajectoires, machin. Oui, je veux l'enquiquiner. Oui, je veux qu'il se dise, putain, il me saoule. Mais qu'est-ce qui se passe ? On va se faire attaquer, appelle à la police. Mireille, appelle à la police, con. Oui, je sais, c'est comme d'habitude. C'est débile, mais faut bien que je trouve un exutoire, hein. C'est trop facile. C'est trop facile, et justement, c'est parce qu'il ne... Je le répète sans cesse. Parce qu'il ne leur arrive jamais rien, ils se permettent ça. Parce que si à chaque fois ils se disaient, putain, je risque ma vie, ou je risque de me faire défoncer la voiture, ils le feraient pas. Côte de Balaruc, j'ai deux voies pour moi, il y a une voie dans l'autre sens. Mais l'autre, il s'est inventé une double vie, là. Voilà. Petit dépassement au calme. Alors après, oui, il n'y a personne, il fait nuit. Mais t'as une ligne blanche, mon ami. Il n'y a plus respect de rien du tout. Bon, là, c'est juste pour te montrer. Lui, il me double, il se rabat impeccable. Tout va bien dans un monde parfait. Et là, alors j'avais un jeu de mots à l'époque. T'es pressé, du pecé. Je vois ce daf dégueulasse. J'étais, c'est bizarre pour un du pecé. Et puis je vois la remorque du PC dans l'état où elle est, je dis à tous les coups, c'est un traco de l'Est. Voire même c'est quelqu'un qui l'a racheté sans enlever les marquages. Je sais pas si c'est légal ou quoi. Peut-être qu'il regarde, il est à côté de moi, il me met le clignot. J'ai mis les cons ou quoi. Non, non, il s'en fout, il y est allé. Alors il y a toujours cet effet de distance dû un peu à la qualité fisheye de la caméra. Mais non, non, il s'est bien rabattu sur ma gueule. Hein. Donc tu vois la gueule de la semi, bon la plaque française à moitié lisible. Le tracteur, je l'ai trouvé sur une aire où je me suis arrêté coupé. Donc c'était un bulgare. J'ai dit, oh, distance, freinage. Il m'a fait, courba, courba. Ah, ok, j'ai dit, Dazdrovia, Poutine. Voilà, bon, il m'avait pas l'air clair. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Même si t'appelles les gendarmes, on te dit, on parle pas bulgare. Bon, descente sur une petite deux voies sur départementale. Lui, il régule un peu plus fort. Bon, je suis pas un connard, hein. Enfin, pas tout à fait, pas un petit connard. J'ai coupé, il se rabat juste. Et qu'est-ce qui m'arrive derrière? Regarde-moi ça. Mais sérieux, mais tu te... Mais lui, il s'est mis là comme un chien, il pose sa merde, là. Regarde, regarde. Et après, ça te fait des warnings en mode, excuse-moi, copain. Franchement, j'allais pas trop vite, frère. Ben, je me suis inséré, frère. Ouais, sauf que si je veux, bon là, salut le pétrolier. Ben, je me colle aux portes du frigo et on me fait quoi? Je vais en arriver à péter le camion, hein, c'est insupportable. C'est insupportable. Là, je te montre. Hein. Lui, il me double. Impeccable. Il roule à 130 s'il veut. Sur les pointillés, impeccable. Là, je te le mets en accéléré parce que tu t'en fous. On est sur ligne blanche. Moi, j'ai toujours la chauve-souris qui m'a pété. Hein. C'est un truc de fou. Elle hein. Vise bien chaque fois, là, tous les jours. Et là, ligne blanche ou pas ligne blanche, moi, j'ai pas le temps. Alors, tu sais, c'est une Kia rouge. Je pense que c'est le fameux « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et puis, tu vois, il s'emmerde pas, hein.
Donc là, il va le refaire une seconde fois. Il pète la Xara grise qui, elle, m'a doublé, certes vite, mais très proprement. Voilà. Faut aller chercher un peu l'image au bout. Hein. Voilà, c'est parti. Donc si je me rappelle bien mon stage, même si ça fait pas très longtemps, je crois que c'est 6 points, la ligne blanche. Ben là, si tant est qu'il ait ses 12 points, il n'a plus de permis. C'est l'appareil, sorti de Marc Aurignan. Ligne blanche, laisse-moi me lancer au moins. T'as vu comment il se pressait. Et en bas, tu as le rond-point, je crois que ça part à droite vers Nevian. Ouais, mais c'est son comportement qui est Nevian. Ça va, c'est bon, fin de journée, hein, laisse-moi. Et tant qu'on en est sur les lignes blanches, ma foi, une dernière, parce que jamais 203. Le mec a décollé après la dernière flèche de rabattement. Voilà. Et puis c'est vraiment, c'est moi ce qui me choque, enfin ce qui me surprend, c'est. Ça m'espante quoi. C'est en mode bas les couilles. Hein. Bas les couilles. Hein. Il te pète des lignes blanches comme ça. Bon, et alors là, c'est pareil. Bon, je suis en train de me faire doubler, j'attends un peu. Le mec avait la nacelle sans clignot sous le pif. Tu te dis, bon, un peu short, je déboîte, je lèche la remorque du camping-car. Et là, c'est un classique. Il accélère. Regarde-moi, c'est quoi ces comportements? Tu peux pas, déjà que tu viens de faire une grosse bouse, tu peux pas me laisser te doubler et te... Non. Voilà, donc là, il a dit, oh putain, le camion. Et il accélère comme un porc. Mais quel intérêt. Enfin bref, tout ça pour te dire, ne respecte rien, mais s'il te plaît, respecte un minimum tes grands amis, les routiers. Allez, bonne roulade.